Eh bien, salut tout le monde, c'est Xan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc en solo, j'avais envie en fait de tester le mode Hunger Games, donc en solo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le lobby la dernière fois, donc le lobby est très bien, la waiting room, comme ils appellent ça. Allez hop, on est TP. Donc il y a beaucoup de différences entre être en Hunger Games solo et en duo, simplement, on m'a dit. Et donc j'avais envie de tester en solo pour voir un peu que ça pouvait donner. On va bien voir hein, si c'est catastrophique ou si ça va quoi. Ok, donc déjà quelqu'un me suit. On va peut-être plus partir par là-bas alors. Je sais pas, en fait je comprends. J'ai fait la map très peu de fois, hein. C'est un mode de jeu, je pense que vous savez, que je ne fais pas tout le temps. Je pense que dès qu'il sera sorti, je jouerai un peu plus. Et pour l'instant c'est vrai que j'y joue pas énormément. On a une épée, c'est déjà mieux. Je vais juste faire un petit changement perso que je préfère. Hop, voilà. Alors, donc on n'a pas de nourriture. Il y a un mec là-bas, on va aller le tuer. Déjà il y a peut-être des choses un peu mieux. Voilà. Ok. Bon, il avait ça c'est mieux je crois. Ouais c'est mieux. Ok, bon il avait pas grand chose mais bon il y a toujours quelques trucs que nous on n'avait pas. Puis on a perdu aucun dégât donc c'est cool. Je sais pas s'il a pris, il a dû prendre ce coffre. Ouais il l'a pris. Ok, bon on a la moitié de protection là. C'est bien ça. On a une bonne protection. Pourtant on n'est pas. Ouais on est en or quoi. Mais bon on impose un peu le respect, on va dire. Donc c'est parti, on va continuer. Toujours à faire gaffe s'il n'y a pas des gens. Ok, là-bas, il y a quelqu'un par exemple. On va essayer de le... Ok, il m'a pas vu, pas besoin de lui tirer une flèche. Quelqu'un était banni. Alors, la solennelle, on va les mettre là. Le pain, on va mettre ça là. Ça, je sais pas si c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok, maïs, c'est mieux. Ok, bon, voilà. Il avait, je pense, pas mal d'armure. Heureusement, il m'a pas tué. J'ai eu très peur à un moment, mais bon, ça va au final. Allez, on va se diriger avec la boussole. Je sais pas où on va. En tout cas on y va. Je vais peut-être tester aussi sur la chaîne des Ultra Hunger Games, quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et je pense que ça peut me plaire. C'est en fait des Hunger Games mais en ultra hardcore, donc on régène pas notre vie et voilà, ça a l'air assez cool. Ok, donc j'ai l'impression qu'ils sont ensemble, enfin, on sait rien en fait. Ok, au milieu c'est très le fight. Ok, très bien. Toujours aussi fort à l'arc. Ok, on a une flèche, on va essayer de lui la mettre. What? Ok. Ok, normal que le mec il frappe tout le temps. Ok, bon, heureusement je record, mais là je pense pas que ça soit vraiment normal. Hein. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau truc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais de toute façon je vais pas le dire parce que ça pourrait donner à des gens l'idée de cheater. Parce que, à moins qu'ils bourrinent tout le temps, mais ça m'a l'air un peu bizarre. Ok, sharpness. Je sais pas qu'est-ce qu'on a eu. Ok, on a eu un petit truc. Ok, bon, je ne sais pas. Hop, merci pour les flèches. J'ai mis une flèche, donc c'est plutôt cool. Ça c'est mieux.
Alors attendez. Ok, bon, on a un de plus. Bah, y a un type. Ça fait aucun dégât, il est très content au moins. Ok. Si quelqu'un allait m'attaquer, mais au moins voilà. Et en fait, ils étaient en chantou. Ok, y a personne. Je stresse beaucoup. Excusez-moi si je parle pas trop. Mais j'essaye de récupérer le maximum de trucs qui pourraient me servir. Hop, ça me sert à rien. Puis ça va pas trop me servir non plus, je pense. Ok, donc il reste 3 types. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Regardez ça et ça. Ok, bon, c'est cool. On a juste, on est full bien là. Full bien, oui, ça veut rien dire. On va acheter des trucs qui m'ont l'air inutiles. Hop. Regardez ça, à la place de ça. Ouais, celui-là, je l'avais entendu. Et en dessous, j'ai l'avantage, mon petit. Voilà. Ok, bon, cool. Heureusement qu'il m'a pas pris avant. Ok, bon, à part ça, hein, je pense pas qu'il avait grand chose. Ok, donc le dernier est là. Donc on va y aller. On va le shooter, quoi. Puis go. Voilà, bon, GG. Ok, bon, j'ai pas trouvé ça trop dur. C'est peut-être parce qu'il y avait pas beaucoup de team. J'en sais rien du tout pour vous dire. Bon, écoutez, ouais, non, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment plus dur. Bon, j'en sais rien. C'est peut-être parce qu'il y avait pas de team. J'en sais rien, j'ai pas vraiment vu. Je sais pas combien de gens j'ai tué. Bref. C'est un peu court du coup, je pense qu'on va aller se faire un autre petit AG. Donc je vous reprends juste après, dès que j'aurai trouvé une partie, parce que c'est assez long vu qu'il n'y a que les VIP qui peuvent y aller. Bref, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve donc sur le serveur toujours d'Epic Cube pour faire un deuxième petit Hunger Games, parce que la vidéo elle va être un peu courte si je laissais qu'une partie. Donc voilà, on va en faire une deuxième, c'est très cool. Ok, bon, la partie en plus commence dans pas longtemps. Je comptais vous dire quelque chose pendant, mais du coup, bon, on va gratter un peu sur le gameplay. Hop là, on arrive en haut, c'est cool. Donc il y a quelques jours, il y a 3-4 personnes qui m'ont demandé en ami sur le serveur d'Epic Cube, en me demandant si je pouvais les inviter dans ma partie pour faire notre game. Donc les 3 personnes n'étaient pas VIP. Enfin n'avait pas de grade et donc du coup ils n'avaient pas accès au jeu en bêta, vu qu'il est toujours en bêta à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, donc ils m'ont demandé tout simplement si je pouvais les inviter dans ma partie pour faire un Hunger Games. Voilà, je voulais faire un Hunger Games en plus à ce moment là, donc bon, ça a plutôt bien tombé. Pourquoi il l'a fait deux fois le bruit, bon, je ne sais pas. Donc ça a plutôt bien tombé et donc du coup on a fait un Hunger Games, j'ai vraiment adoré. Donc du coup on m'a demandé si je pourrais les inviter un autre jour, ça machin. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème, donc je tenais à réagir donc à ce propos. Il n'y a pas de problème du tout les gens, si vous voulez faire que je vous invite simplement dans une partie. Moi je suis assez ouvert, donc
Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas trop parce qu'ils disent ouais, t'avais qu'à t'acheter le VIP. Moi, j'aime pas trop raisonner comme ça parce que il y a des gens qui bah, soit ont pas les moyens, soit n'ont pas, ils peuvent pas tout simplement. Hein. Il y a un gens là par là d'ailleurs. Si je le vois avec ma boussole. Pas où il est, ok, il est là. Et donc voilà, donc il n'y a absolument pas de problème. Vous avez juste à me demander en ami, et puis au moment où je voudrais faire un gang game, je vous inviterai. Et puis voilà, en attendant qu'il sorte en tout public, je pense que c'est mieux à faire. Ok, bon, lui on va le suivre. Hop, on y va. Bon, on n'a pas d'épée, on a ça, mais bon, c'est comme il n'est pas en bois, donc bon. Au final, c'est pareil. Voilà. Ok, là-bas, il y a eu un éclair. Oh putain de merde. C'est le bordel au milieu. Je sens bien qu'on va se faire gangbang. Bon, on va aller au milieu aussi. On va les suivre. Ok. Ça fait pas de dégâts. Ok. Ok, donc là on a une team. Ah non. Ok. RT, RT, RT. Je sais pas qui m'a attaqué. En tout cas, c'était pas eux, hein, je pense. Du moins je pense pas qu'il me reste un demi-coeur. C'est vrai que c'est chaud à gérer une team. Ok, ouais, non, c'est pas les mêmes. Ok, je sais pas trop où on va aller, mais il faut que je régène. On va se cacher un peu là, cacher vraiment vite fait. Alors, hein. Ah, c'est vrai que c'est chaud quand il y a une team. Ah ouais, ils étaient bien moins stuff que moi, mais. Enfin, quoique, ouais, non, j'ai pas de pantalon, hein, donc bon. Ok. J'ai plus trop de vie. Ah bah cool, il y a une épée là. On va prendre l'épée à la place de ça. Peut-être un parcours, non, pas du tout. Ok. Les personnes sont là-bas, donc ouais, ils sont vraiment au mid. On va commencer à y retourner. Putain, c'est chaud, hein. Ok, je vois pas, je sais pas trop où ils sont. On va faire l'opportuniste, vous allez voir. Non, attendez, on va quand même y aller. Ah ouh. Ok, c'était quoi ça? Il y a eu une espèce de truc chelou. Ok, bon, on sort de la zone 11. On est dans la zone. Dans aucune zone en fait. Merde, j'ai pas de niveau. Oh merde, j'ai cru que j'en avais deux. J'avais peut-être pas dû enregistrer. Enfin, faire l'arc. Merde, pourquoi j'ai usé la flèche? On va la reprendre. Ok, ils sont là, je crois. Non, ils sont même pas là-bas. Et il reste plus que 3. Et ils sont où? Je sens que ça va être chaud, hein. Vous le sentez vous aussi? Ok, bon, il y a un type là-bas. Ok, je l'ai vu. Ok, il est là, il est full fer. Prends tout. Ok. Bon. On va le traquer un peu. Je sais pas si on a une meilleure arme que lui. Je sais pas du tout où il est.
Ok, je l'avais vu, il a pas eu le temps de lancer sa potion. Enfin, il l'a lancé, mais ça m'a pas eu. Putain, le roule. Ok. Ok. Ah bah c'est le dernier. Ok, bon bah GG. On a un peu fait le ramasse-miettes. Avec un kill. Bon, écoutez. C'est pas bien grave. Ok, je suis désolé si j'ai pas trop parlé, mais ça c'est quand je suis assez embarrassé. Enfin, embarrassé non que dalle, mais qu'est-ce que je raconte? Je vois embarrassement, je dis embarrassé. Parce que quand je suis assez dedans, là, j'étais à fond dedans. Bref. Donc on va se laisser là pour. Oula, on n'est pas du tout centré, Joseph. On va se laisser là donc pour cette petite vidéo Hunger Games donc en solo. De deux parties de Victor, c'est vraiment cool. On est tombé sur une team, c'est vraiment chaud. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines. C'était Exa, à plus tout le monde.